Chers amis, nous voilà à présent au centre névralgique, la salle des machines, le territoire de mes garçons que j'appelle les pieds noirs. Approchez. Ici à bâbord, comme à tribord, nous avons les fameux préposés aux torpilles. Dans la marine, on les surnomme les mixeurs. Cela dit, je préfère les appeler les macaques. Vous voyez? Les macaques du navire. Ils font toutes leurs activités ici. Ce sont eux qui en pestent le plus. C'est pour ça qu'on les a placés juste à côté des chiottes. D'ailleurs, je vais de ce pas vous montrer où c'est. Après vous, messieurs. Questa è una guerra. E noi stiamo combattendo una guerra. Tu comprends pas ça, Ebal? Appunto. In guerra i soldati seguono le regole. Ci sono delle regole. Justement. I mulignani non seguono le regole. Che cos'altro vogliamo dargli? Je t'ai pas raconté cette histoire pour que t'aies pitié de moi. La raison pour laquelle je te raconte ça, c'est pour que tu comprennes qu'il n'y a aucun monstre sur cette terre plus tenace qu'un orphelin dans une boîte. Quand tu seras en train de crever dans le caniveau avec de la merde dans ton froc, à ce moment-là, tu pourras te dire que t'aurais dû écouter. Répète ça, t'es jamais allé sur un site de rencontre. Où est le problème? T'as peu de chance de gagner le procès si tu sais pas ce que c'est qu'un site de rencontre. Faudrait qu'on t'inscrive. Non, j'ai pas le temps de rencontrer des hommes. On me demande pas de faire des rencontres. Considère ça comme de la recherche. Je suis sûr que ça pourrait faire la différence et te faire remporter le procès. Bon, d'accord. Alors on fait comment? Je vais te créer un profil. Je croyais que tu devais aller aux toilettes. Ça peut attendre. C'est trop marrant. Ouh, qu'est-ce que tu penses de celui-là en flanelle? On dirait un bûcheron. Un bûcheron, mais bien éduqué. Ça existe pas. Un bûcheron chaud de la bûche? Oui, ça, ça existe. Ah. Prenons un exemple concret. On veut avoir des informations sur Eric. On veut connaître ses secrets les plus honteux. Aucune chance. Tu crois ça? D'accord. Je m'appelle Ricky. Je suis fan de Die Hard, un magicien de la cuisine, toujours à l'écoute. Le dimanche, c'est jour de fête. Je comprends pas que vous puissiez le défendre vu comment il vous a parlé ce matin. Je l'ai provoqué. Son problème, c'est qu'il a perdu la partie face au bone collector, et ça, il peut pas l'accepter. Vous avez raison. C'est ça. Bien sûr. Quoi? Coincé au même endroit. Oui, j'ai cherché dans la mauvaise direction. On pourrait bien trouver le bone collector après tout. Excusez-moi, madame, auriez-vous l'extrême obligeance de me remettre tout l'argent qui est dans votre tiroir caisse? Vous plaisantez? Vous avez une arme ou autre chose à me montrer? Non, Dieu du ciel, non! Garde! Oh. Votre joujou électronique n'a aucun effet sur moi, madame. Je me présente. Je suis le fantôme gentleman. Il semblerait que vos attaques brutales soient inefficaces face à mon apparence distinguée. Ça quoi? Maintenant, je vais m'emparer de cet argent et... Oh? Stop! Arrêtez ça! Oh! C'est pas drôle! Ça suffit! Stop! Ceci est extrêmement agaçant! Alors tu ferais bien de te rendre parce qu'on est capable d'être agaçant toute la journée!